vidéo, je vous montre les nouvelles modifications apportées à certains endroits de mon logement. Ne doutons pas qu'on peut toujours mieux faire. On y va? Let's go! Je vous montre l'état actuel de ma pièce des toilettes. Je trouve que c'est encombré, il y a trop d'affaires. J'aime bien quand tout est épuré. Donc, je vais essayer de débarrasser tout ce que j'ai dans cette pièce pour pouvoir tout réorganiser. Actuellement, j'ai deux étagères sur lesquelles j'entrepose plein de trucs. Sauf que cela ne me convient plus, donc je vais en garder qu'une seule. Donc je commence à débarrasser, à sortir celle que je ne veux plus garder. Par la suite, je désencombre celle que je garde. Donc je descends tout ce qu'il y a dessus pour pouvoir avoir accès facilement à l'étagère, la nettoyer. Pour tout réorganiser. Je fais la poussière partout. Cette pièce, elle est très grande, même si c'est une pièce de toilette. Mais j'y entrepose quelques éléments, savoir tout ce qui est bricolage, mes produits de lessive. Et voilà. Je ne vais pas vous mentir, il m'a fallu m'asseoir confortablement car je ne voudrais pas juste vider une boîte dans l'autre. Je préfère que ça soit trié, que les choses dont j'ai plus besoin, que je puisse les jeter. J'ai la flasheuse habitude de garder toutes mes notices d'électroménager et de montage de meubles. Même si au final ça ne me sert à rien, mais je sais qu'en cas de pépé, je pourrais tout ressortir. Là, je vous donne quelques astuces pour que les toilettes sentent bon. Je prends du coton et j'y ajoute deux gouttes d'huiles essentielles que je mets par la suite dans le bac poubelle. Et j'ai pour habitude aussi de mettre un peu de produit nettoyant directement dans le porte-brosse. Donc ça fait que c'est déjà prêt à l'emploi quand j'ai besoin. Et pour décorer, je plie chaque côté de mon papier toilette. Puis je fais couler un peu d'eau. J'arrête le robinet et par la suite, je le place en dessous pour que ça fasse un joli rond. Et je vous montre le résultat, ce que ça donne. Dans cette pièce, il faut remarquer quand même que la couleur prédominante, c'est blanc. Et là, vous verrez la différence.
C'est très organisé, chaque chose à sa place. J'ai des boîtes pour chaque élément, les outils de bricolage. J'ai mes trucs de laisser en haut, ainsi de suite. Donc, et j'ai mis des étiquettes, évidemment, pour ne pas devoir ouvrir toutes les boîtes chaque fois que j'aurai besoin d'une pièce. Et je trouve que c'est plus beau, c'est plus épuré. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. Bisous. Mouah.